Salut les Coupe-Chou Club. Bon, quand je suis pas vraiment souvent présent, mais je vais quand même vous présenter un peu mes trucs. Surtout mon dernier achat, c'est donc celui-là, c'est le Vinachab, qui est pas trop mal, assez petit. Et c'est moins qu'un 5,8 là, truc tout petit, mais très très bon. Très bon petit truc. Voilà, le reste. Parce que j'ai commencé avec ça en fait. Hein. Ça, c'est un grelot. Voilà. Avec ça et la pâte rasée bleue. Le truc Wilkinson, tu vois. Avec ça, j'ai commencé avant de vous connaître. Et maintenant, bon, ça a changé un peu quand même hein, avec Super Crème du Père Lucien. Vraiment très très bon matos, j'adore. Et voilà, donc grâce à vous, merci. Et ensuite, il y avait ça qui suit. Et le strop de la file en aiguille. Très bon matos. Excusez-moi, mais je vais faire un peu à la con. Mais il est super. Il y a derrière du canvas. C'est vraiment des bons matos. Ça c'est Kaiser Franz Josef et sa femme Elisabeth. Parce que. J'aime bien être un peu traditionnaliste, voilà. Bon, et ensuite on va passer au rasage. Bon, en même temps, j'aimerais bien vous présenter donc ce fameux savon du Père Lucien que moi j'ai toujours une façon de faire complètement autre que le vôtre. Donc j'ai mouillé assez peu. J'en prends pas mal. Cette savon là. Après, je prends mon bol, c'est ma femme qui l'a fait, c'est cool. Je mets un peu plus de l'eau dessus. Et c'est là où je me monte ma mousse comme il faut. C'est assez économique en même temps. Parce que si on se met que dans le savon, il y a énormément de mousse qui part à la flotte après quoi. Et tu vois, ça commence quand même assez vite à monter bien onctué. Tu vois, vous voyez ça? Voilà. Moi, j'aime bien cette façon-là. Ça, c'est vrai. Moi, je crois que c'est une façon que vous considérez pas vraiment top, mais bon, moi, ça me convient bien. Bon. Alors, on va changer d'optique là. Voilà ma tronche. Alors, bien salut. Hein. Donc, pour tous ceux qui me suivent en général, c'est pas du tout les vidéos que je fais en général pour ma chaîne qui est normalement dédiée quoi, un peu survivalisme, bushcraft et tout ça, un peu de résilience et tout ça, vous voyez. C'est un peu autre chose, mais bon, en même temps, je pense à leur dire aussi, si on se rase avec un sabre, après une journée comme aujourd'hui, moi je suis maçon, donc j'ai un métier des fois assez dur à supporter. Et après 8 heures, froid, flotte, galère et tout, tu vas dans ton salle de bain. Tu te fais un petit rasage et franchement tu oublies et tu t'évades. Et après, l'histoire est bouffée, c'est digéré et tu vas beaucoup mieux. Donc c'est pour ça quand même, hein, un petit, parce que ça prend son temps, petit rasage, c'est quand même impeccable. Voilà, donc je prends celui-là, vous voyez, celui-là est pas mal aussi, j'aime bien. Il est où? Il est là et ça va être difficile à mettre en... Voilà, quand même. Donc celui-là, j'ai coupé à la meuleuse à bande parce que je n'arrivais pas à fuiter les bouts. Et j'arrivais pas du tout, pourtant en général j'y arrive quand même bien. Donc je me suis dit que bon, je ne vais pas m'emmerder. J'ai pris ma ponceuse à bande et je l'ai coupé. Et ça va assez bien quand même. Donc. Comme je disais que
des fois des rassages. Ça fait des miracles, c'est un peu comme faire du jardin. Tu as des mains dans la terre, t'as plus de soucis. Pareil avec du rassage, tu sors comme neuf après. Voilà. Et la femme est bien contente aussi que tu aies un peau lisse comme tout. Vraiment, c'est bien. Hop. Quelques gouttes qui sont quand même de temps en temps, ça peut arriver, hein. C'est pas grave. Mais ça c'est asymétrique aujourd'hui. Hein, parce que... Mais je suis toujours stressé un peu après le boulot hein, quand même. Ça peut arriver. Que j'ai toujours pas évacué tout mon... Disons, c'est pas vraiment du stress, mais tu vite, vite et tout ça, quoi. Normalement, il faut peut-être s'y reposer une petite demi-heure ou une heure avant. Mais bon, aujourd'hui, je peux pas. J'ai autre chose à faire. Voilà. Bon, ça, c'est la première passe. Je sais pas si je vais vous. Machin, je vais vous épargner ça, c'est bon au deuxième passe. Bon, deuxième passe, ça va se faire avec celui-là, là. Ça va être difficile encore pour mettre ça là au point. C'est un inox. Il est vraiment bien aussi, j'aime beaucoup. Et aussi pour vous dire que il y a un peu de nouveau aussi sur YouTube. Il y a des gens qui font des vidéos que vous connaissez peut-être pas encore. Que ça vaut vraiment le coup de le voir. C'est un ami du forum Siegfried que je vais vous mettre les coordonnées après en dessous de ma chaîne sur la description là. Il parle un peu de tout, lecture et tout ça, et autodéfense, un peu de tout quoi. Pas mal, il a un très bon esprit, je trouve. Après, il y a un autre Robinson TV, il s'appelle celui-là. Robinson TV. Tu vois, en train de parler, j'ai oublié quand même complètement qu'est-ce que j'ai fait. Robinson TV, c'est un petit Belge qui commence à faire des vidéos aussi très sympathiques, très explicites. Je ne sais pas si vous voyez là, si j'ai les mains devant. Bon. Donc je vais vous mettre aussi le lien en dessous. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui se passe sur YouTube. C'est un peu dommage. Voilà. Et aussi pour parler un peu de quoi du bien-être si vraiment. Si on est un peu. Si on a un peu des boules ou le blues, et se faire une petite séance de bien-être pour soi-même, quoi, c'est important parce que on c'est une sorte de renaissance quand même hein, à la fin pour moi hein, personnellement. Je sais pas comment, qu'est-ce que vous pensez, le membre du Coupe Chou Club, qu'est-ce que c'est pour vous. Parce que c'est vrai, c'est du simple rassage, mais on se prend quand même un peu de temps pour nous. On est uniquement avec soi. Et il faut quand même faire un peu attention à ce qu'on fait, parce que sinon, on est complètement ensanglanté, on va en plus. Donc franchement, c'est pour le bien-être pour une personne, je trouve que c'est assez important.
de faire ça. Ça remonte le moral quand même, hein. Me semble-t-il. Mais surtout, moi, il faut quelques-unes ici, là, en dessous, c'est un peu... C'est délicat, j'y arrive jamais à vraiment bien faire, quoi. Bah, bien faire, ça suffit toujours pour être propre. Au vu de tout le monde, mais au toucher, c'est cher, le BBS, hein. Faut pas parler quand ça va. Voilà. Bon, les troisième passe, je vous épargne parce que là vous avez assez vu. Et voilà, une demi-heure plus tard, on peut dire que la journée de merde, bon, faut pas trop dire journée de merde, mais disons une journée difficile, je l'ai oublié. Hein. Voilà, ça c'est quand même digéré, c'est nickel. Ça en plus, ça sent super bon, je sais pas si vous connaissez ça, égoïste. Franchement, un plaisir, bah, faut aimer, hein, mais bon, moi j'adore, hein. Ça c'est un truc, ça me botte. Donc comme ça, on rentre du boulot et... On est quelqu'un d'autre après, franchement, on est lavé quoi, vraiment comme il faut. Voilà pour vous faire partager ça vite fait et bien fait. Merci pour votre patience. Merci les coupes chocolat pour tous vos conseils. Franchement, je me sens un peu parasite dans votre forum parce que je suis pas du tout beaucoup présent, mais bon, je suis pas trop. Je parle pas beaucoup, avec l'écriture j'ai des mal. Donc voilà, faut faire avec, hein, mais bon, je pense beaucoup à vous et je vous remercie. Et à une prochaine, hein, voilà. Bon, voilà YouTube, ciao, bye bye.